suis Astrid Lyonnais, je travaille à Carden, donc à Ella Carden, où je suis à la fois coordinatrice du bac 1 et je donne différents cours. Bonjour à tous, je m'appelle Romain Barveni, je suis en deuxième année, secteur social à Louvain-la-Neuve. Bienvenue dans ma cuisine. J'ai pas vraiment fait abouti de. Je vais recommencer. Marius, excusez-moi, mais je fais un break, c'est mon petit garçon, il y a mon garçon qui parle. Les voyages d'études. Dans la mesure où c'est chouette au niveau de la formation parce qu'on rencontre des nouvelles institutions, des nouveaux professionnels, des nouveaux projets, mais c'est aussi toutes les ambiances plutôt conviviales en fin de journée à l'auberge jeunesse ou lors de visites de la ville, de musées, etc. C'est quand l'école a été approchée pour réaliser le clip de Kid Noise. Voilà, l'école a été approchée par le producteur du clip qui d'abord rentre en contact avec des étudiants qu'ils connaissaient, et puis avec la direction. Et donc vraiment, on a organisé ça parce que c'est la direction, la production du clip bien sûr, mais également certains élèves. Enfin, tout le monde est vraiment bienveillant, on nous met dans de bonnes conditions pour commencer ces études supérieures. Pour l'ambiance constructive, la chouette ambiance qu'il y a dans l'école, et aussi parce que participer à la formation des étudiants, ça reste vraiment toujours porteur, stimulant. Pour les étudiants qui arrivent dans le supérieur, pas d'inquiétude. Vous n'êtes pas seul. Il y a pas mal d'ateliers qui sont organisés au sein de Ella Carden, justement pour vous soutenir tout au long de la formation. Atelier gestion du temps, atelier comment faire des synthèses, le blocus collectif assisté, des tutorats aussi par les étudiants qui vous expliquent des cours pour lesquels parfois vous êtes plus en difficulté. Carden Solidaire permet par exemple aux élèves qui ne peuvent peut-être pas se permettre de dépenser de l'argent dans une robe ou dans un costume, de trouver des robes et des costumes pour le bal de l'école. La plupart des profs sont aussi des professionnels de terrain. Nous avons des juristes, des avocats, des psychologues, des travailleurs sociaux qui, pour la plupart, exercent encore ce métier. Je me suis découvert à la fois professionnellement quel travailleur je serai, mais également personnellement. Mon département se trouve à Louvain-la-Neuve, pas loin de la gare des bus, pas loin de la gare des trains et pas loin du centre-ville. Un super endroit et une super infrastructure pour se découvrir soi-même, découvrir des métiers, se former. Pour nous, ce qui est important, c'est de pouvoir aussi développer le travail en équipe, le travail à plusieurs, la créativité, l'engagement, mener des projets collectifs. Tout ça, vraiment, ça se traduit durant les 3 ans de formation.